bananas. Ah oui, toi quand même. Il y a Following 50 qui nous a rejoint, ça c'est cool. Eh bien merci à toi Following 50, ou Following 50. Bon, donc du coup on reprend ce petit live sur Gridfall. Après cette terrible révélation, il semblerait que la congrégation soit déjà venue sur l'île, alors qu'on est plutôt comme la Suisse, gentil et copain avec tout le monde. On serait venu foutre le bordel au milieu des autochtones il y a de ça une paire d'années. Et pourquoi personne nous a rien dit? C'est ce que nous allons tenter de découvrir maintenant. Alors, parler des ruines à l'amiral Cabral. C'est quand même globalement un jeu où il faut aimer ouvrir des boîtes. C'est vrai que j'ai toujours mal au pied de... Mais non. Action. Non, technique. Loupiote. C'est bien. Ah putain, je suis con, j'appuie sur L2. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de pisser toi mon pote? Pas se gêner. T'as vu ce qu'il est ce amiral là? Ah ouais. Pas du tout là où... Où j'allais. Ah putain, sauveté vigueur 2. Petit coffre de l'autre côté en plus. Ah, et si je trouve un établi, faut que je me crafte aussi différents trucs là. Merde. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Que fait cette personne? Ah putain, il a vraiment des pets d'armes quand même. Agilité 4. Précision 3. Ah oui, c'est vrai que j'ai précision 2. Je pourrais mettre un petit fusil. Ça fait moins de dégâts d'armure. Ce qui m'intéresse un peu moins forcément.
toute façon, j'ai plus d'argent. Je sais pas pourquoi je regarde. Bon, allez. Ah, attends, il y avait un truc à fouiller là. Voilà, merci. Pourquoi un truc? Trouve des champis dans les boîtes. Septième. On peut faire un voyage rapide ici? Ah bien, on sera amené à revenir alors. Desarde, what can I do for you? I've explored many ruins on this island, ruins that are under careful scrutiny were built by the congregation. In one of them we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions, questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. The bishop that accompanies you on occasion could without a doubt tell you more. I won't hesitate to speak to him about it. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Alors, on va interroger notre ami Petrus. Plateau. Il est là-bas. My dear child, what can I do for you? Il semblerait qu'il y ait quelques infos. Ouais. I had a meeting with Admiral Cabral concerning what we found. Un petit problème de caméra. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Nauts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively. She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? Quel air de caméra, c'est énorme. I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who? A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Teleme lands and of course seek out the Bishop Domitius. Mhm. C'est bon à faire ça, non? Take care, my child. Ouais, mais par contre, attends, parce que la galère, c'est que si je veux pas aller à Teleme avec l'autre là, ah, ça va être la misère complète. Si je vais à Teleme avec l'autre, je vais faire sa quête à elle. Quête d'Afra, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Se rendre à Serganao avec Afra. Ok, on va faire ça, parce que sinon, ça va être juste la misère.
J'étais sûr, et science, vigueur. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit vigueur plus 1 ou science plus 1? C'est quoi ça? Artisan niveau 2. Ah oui. Ça servirait quoi? Ah, et ça te rajoute une résistance. Vigueur, pourquoi pas? Je suis comment là? Sur le... Allez. Alors, voyons voir ce que ça donne. Non, c'est dans le talent. Il y a zéro en vigueur, c'est ça. Pas terrible. Ça, sur Cartisan niveau 2, ça m'aiderait aussi. Sur 1. Ah, ouais, il y a ça aussi. Ça augmente légèrement la vie hors combat. Ah, ça peut être pas mal. J'avais pas une autre armure sur qui je pourrais mettre ça là. Et ben voilà, mais ça c'est parfait en fait. Attends, tac tac, science, crochetage. Vigueur, voilà, nickel. Sur celle-ci, je colle vigueur. Et sur celle-ci, je vais coller science. Comme ça, j'ai trois armures, une de chaque faction. Déjà, je peux. Il va me manquer juste les notes en fait pour bien faire. Ouais, Sylvain! Et comme ça, je peux enchaîner les trucs. Parfait. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, voyage. Voyage, voyage. C'est quoi ça? Ouais, c'est là. En fait, on sait pas où faut j'aille. Village de Verdris. Allez, on va aller au village. Il se réveille toi, mon petit Sylvain. Profitez de cette pause pendant votre voyage pour vous occuper de votre personnage et de vos compagnons. Tout ça, ce que j'ai dans le coffre. Oui. Bah, du coup, il y a pas mal de trucs que je pourrais revendre en fait. Allez, go. Poursuivre le voyage. Cas de besoin, je pourrais revendre des trucs. Ah oui, je suis chez eux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Hein? Faut encore que je retraverse un truc? Ah merde, c'est un truc longue journée. Ah vas-y, ça marche. Mais du coup, c'est pas bon. Non. Et si j'ai rien exploré quoi. Bon bah les go l'exploration là. Go l'exploration. J'aimerais tuer des bébêtes avec toi ce soir. Là. J'essaie d'avancer quand même dans ma quête, mais ça m'intéresse ce jeu. Évidemment, j'ai avancé dans le mauvais sens.
Évidemment. Oui, t'es en transport, toi. T'as rien, c'est important de se défouler. Oh, il est en voiture, bravo. Bel esprit. Écoute, t'es mis en Bluetooth, ça. C'est quoi ça? Médaille du bouclier. Ah, c'est pas mal ça. Parce que moi, la magie, ça me sert pas à grand chose. Par contre, j'avoue que. Ah oui, médaille de Sean Mateus. J'ai oublié celle-ci. La volonté à deux, quoi. Eh ben, il a pas volonté à deux, lui, non? Il a en volonté, mon pote, là. Ah, y a, en plus, il y a que moi qui peux l'avoir, l'autre, le... Ah, merde, mais... Voilà, c'est mieux. Du coup, il faut que je passe à gauche. Après, on va s'enfoncer dans les gorges. Ce serait à droite là. Pourquoi j'ai dit à gauche d'ailleurs? Ce serait par ici. Elle Vedra de les bois rouges. Petite ambiance sonore des marais. Parce qu'on est dans le bayou. Allez, on a les lumières. Ouais, ce serait par là. Bon alors. Hop, on va se mettre un petit peu de... d'onduction quand même. Hein. Là. Tiens. Et hop, un de moins. Et voilà. Encore une victoire de canard. Ça c'est bon. Mais putain. Voilà, merci. Heureusement qu'il y a l'autre avec son flingue là. Elle défonce tout sur son passage. Ce qui est à droite. Il y a un point d'interrogation, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Oh bah alors. Ça doit être plus loin. Il y a encore des cons là. Tiens, oh.
Effectivement, taper dans le dos, ça fait un peu plus mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Putain, le détour que j'ai fait. Un île monstre ou quoi? Oula, il y a du monde. Ah, nickel. Ah, ils sont en pied, ils sont... Ouais, donc zéro respect pour la nature. C'est un jeu vegan friendly. D'ailleurs, en parlant de nature, tu vois, je trouve que ça, justement, ça manque un peu de diversité à les ennemis, quoi. C'est toujours un peu la même chose, quoi. T'es aux abords des villes, tu te fais attaquer par des espèces de bandits, t'es dans la nature, tu te fais toujours attaquer plus ou moins par la même chose. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment un point noir. Ah, évidemment, par contre, les boss, oui, ils apportent un peu de diversité, mais c'est pas non plus... C'est pas fifou. Ça va, tiens, quand on parle de monstres. Oh là, t'as fait sa victime aussi là. Bah écoute, le colis que j'ai trouvé il est pas dégueu, parce que du coup je regagne en vie gentiment mais sûrement. Ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc j'ai trouvé une espèce de campement. C'est quoi ça? Vasrigen? Qui c'est qui m'attaque encore? Oh putain! Oh, t'es sérieuse elle? Putain! C'est quoi ça? Tiens, pour une fois il y a de la diversité. Je les connais pas. Ouais, je me rappelle pas l'icône, dis-moi. Eux, je les connais. Putain, je me fais mettre à terre, mais comme une merde, quoi. Bon, c'est là qu'on va voir si ça devient utile d'avoir... Allez, tiens, on est dessus. Ah non. Ah, quand même, ça y est. Putain, mais comment il nous fait tomber? C'est abusé. Et puis on lui fait rien, quoi. Allez, soigne-toi. Oh non, c'est abusé. Ouais, fallait que je mette des pièges. Mort pendant l'animation de soins, quoi. Abusé. Ah bah ça va, je suis juste là. Voilà, on va fumer les autres du coup. Ah
T'as pas tout à fait les mêmes. Non. Allez, petite pause. Donc c'est induction élémentaire, je crois, celle qui marche vraiment bien là. Ah, là, tu vois, le piège a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut poser comme autre piège qui marche bien? Ah, j'ai plus de piège élémentaire, merde. Ça, parce que ça, le piège élémentaire, ça douille. Voilà. Ça, c'est fait aussi. Je vais mettre à terre mais direct quoi. Il reste encore des bestioles ou quoi? Reste-t-il encore des bestioles? Ah bah oui. Ça se te demandait quand même tout à l'heure comment j'ai fait pour crever quoi. À se demander comment j'ai fait pour crever. Putain, je pensais que j'allais changer de niveau, même pas. Je suis un peu emballé là. Oh, attends, on va sauvegarder. Que bon. Pas trop ce qu'il y a comme bestiole derrière cette porte, donc on va voir. Ok. C'est stylé ici, mais... C'est pas mal. Encore une énigme, non? Ça sent le truc où on y revient plus tard dans le jeu, ça. Au cours d'une quête. Annexe ou pas, mais quête quand même. Bon, allez, continuons cette petite explo. Parce que pour l'instant, je peux pas découvrir un masse de campement non plus. Non, pas trop de fumée par là. Allez, on y va. Ah tiens, des champignons. Moi les champis. Moi les champis. Ça par là. Ah c'était pas le fameux camp là-bas là. Ah oui, si si. Le fameux El Famoso camp. Mais c'est pareil, ici on n'y a pas été, putain. Alors déjà on va faire un tout droit. Un go straight ahead pour voir ce qu'il y a en face.
encore des bêtes. Encore eu des grosses bêtes. Parler à Darren, la chef des Noniga au de la. Allez, on va se sentir un mode je suis un ouf. Oh, ça pourrait presque marcher là. Oh, des grenades de merde quoi. Oh bah non. Voilà. Tiens, prends ça. On est efficace. On est efficace les amis. On est efficace. Oh nous sommes efficaces. Y'a pas à dire. On a tout déglingué. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah, une pierre de... Ah, des morts. Une pierre de talent, ça, non? Et voilà. On va pas dire non à un point de compétence, quand même. On va pas dire non à un point de compétence. Alors du coup ensuite ça donne quoi? Ah ça donne que t'es quand même un peu... Putain il faut... Oh il faut passer du coup. Faut que je retourne là-haut? Voilà tu sors du truc. Allez explorons, explorons. Pas, il y a des espèces de pages de bouquins à trouver aussi pour déclencher des trophées. Hein. T'es pas rendu avec ça aussi. Nous sommes pas rendus avec ça aussi. Ouais. Je me demande s'il y a des dégâts de chute dans le jeu quand même. Il y a quand même des phases qui me font penser à Dragon Age Inquisition. Je peux pas m'empêcher d'y penser quoi. Ah bah si oui, c'est vrai que j'y suis pas allé par là. Moi. Ah bah tiens. C'est comme des fois on les défonce avec une facilité déconcertante quand même. Je sais même plus si tu peux sélectionner une difficulté en début de jeu. Si c'est le cas, de toute façon, j'ai mis normal. Mais merde, je suis gouré. Même si c'est en normal, je trouve quand même qu'on les déboîte facilement là. Peut-être eu du bol à faire. Eh, hey, Blazkowicz, ça va? Ça faisait longtemps. Quand vas-tu? Tes courses passent bien. Bah écoute, ça va, oui, ma foi. Il est où l'autre? Eh merde, il est parti là-bas.
Putain, c'est pareil, ça l'a réinitialisé quoi. Tel un MMO, une fois que t'es trop loin, ça se réinitialise. C'est un peu con, ça. Bah écoute, oui, ça va, merci. Ça va bien, ça va bien. Pas eu trop le temps de streamer ces derniers temps, mais... mon cousin a géré la chaîne. Donc c'est plutôt bien. Et je sais pas si tu le sais, mais on est passé affilié en plus. Affilié Twitch. Grâce à toi, entre autres, évidemment, et à tous ceux qui nous accompagnent depuis le début. Donc c'était quand même... C'était quand même un objectif qu'on s'était fixé, ça, de passer affilié Twitch, mais alors on pensait pas le faire aussi vite. Pour être honnête. Nous sommes donc très fiers et très heureux en même temps. Ils dorment ou ils sont morts? Pas moyen de faire une espèce de... Attaque... Ah si, attaque furtive. Ah oui, quand même. Ah ouais, t'en fais qu'une seule quoi. Non mais par contre du coup, ouais, franchement des fois le monde si... En termes de difficulté, c'est quand même très curieux. Hein. Hey Christophe, ça va? Comment vas-tu? Et du coup, je disais à Blazkowicz, on était passé affilié. Donc je le remerciais de sa fidélité, entre autres. Bah écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. J'ai fini sur coup le mid, je me suis fait une petite route, une petite heure et demie de route. Tranquille. Oh, ça sent pas le mur ça, tu peux escalader vigueur 3. Allez quand même. Il y a quand même des endroits où t'es obligé de revenir plus tard dans le jeu, c'est forcé quoi. Si tu peux escalader ce machin, c'est qu'il y a... Voilà, Istel. D'accord. Ah, niveau 17. Ah. Oh, ils se font, mais violer quoi. Pas trop ce qu'ils faisaient ici. Hein. Tu sais, je disais à Kalten justement le truc qui est un peu dommage dans Greenfall, c'est le manque d'ennemis en fait. Tu tournes très vite sur plein de trucs quoi. Très vite sur toujours les mêmes ennemis quoi. Toujours les mêmes ennemis quoi. Truc par là ou... Il y a un dendo. Je sais pas si tu peux le fumer le dindon. Non. Je peux pas le dingue. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Tu sens qu'il manque cruellement d'argent, en fait. C'est ça, en fait. Il y a de la bonne idée, il y a de bonnes idées, il y a de... La musique, elle est cool, parce qu'ils ont repris le compositeur de Plague Tale.
Mais bon, c'est un studio français, alors faut bien leur. Faut qu'on se serre les coudes. Attends, viens de voir où c'est. Ah, oui, c'est là-bas. Il y a mon bivouac. Attends, du coup, j'ai deux points de compétence, un point de talent. Attends, ça c'est quoi? Ah oui, c'est là. Ah oui, du coup, alors qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se met vigueur ou artisanat à deux? Ça c'est quoi? C'est charisme, charisme. Science. Non, je sais pas. Intuition. Ouais. Niveau 21. Non, je pense que je vais prendre vigueur, comme ça au moins j'aurai un point dans chaque. J'aurai un point dans chaque, et du coup, vu que je me suis... Bah non, il me manquera intuition. Mais j'aurai un point, ouais, d'un coup. Et je peux améliorer en mettant mon armure. Je pourrais passer à 2 en vigueur, par exemple. Ce qui peut être plutôt pas mal. Donc globalement, je peux faire 2 en vigueur, 2 en science, 2 en crochetage. Il suffit juste que je change d'armure. Ensuite, les points. Alors, les armes enduites avec préparation alchimique empoisonnée appliquent une plus forte, dose de poison. D'accord. Ah oui, j'ai dit que je vais y aller sur quoi, moi? Explosion d'ombre. Ah oui, des grenades. Ah oui. Les grenades, c'était pas mal aussi, ça. Ah non, c'était ça que je voulais faire, moi, non? Roulade. 2 points. Ouais, je suis pas sûr en fait que je vais faire grenade. Un point dans tout, c'est devenir un mauvais polyvalent. Ouais, mais t'en as besoin aussi, ça le problème. Hein. T'en as besoin. Alors je sais pas. Après, je peux réinitialiser les compétences. Hein. Charisme, t'en as besoin. Charisme, c'est obligatoire, t'en as besoin. Science, t'en as besoin. Intuition, j'ai vu que tu pouvais t'en passer. Je pense que crochetage, au final, c'est quand même pas non plus fifou. Par contre, vigueur, tu vois aussi que c'est pareil. T'en as... Là, je suis tombé sur un truc tout à l'heure où j'avais pas un en vigueur, je pouvais pas sauter. Du coup, il n'y avait pas un coffre à aller voir, quoi. Ben, je sais pas. Après, tu peux te rajouter un point... Dans chaque, tu peux te rajouter un point en charisme avec la cape et tu peux te rajouter un point en crochetage, en vigueur et en science grâce à un bonus d'armure. Il suffit juste de switcher d'armure et tu peux te mettre. Donc bon. Oui, c'est vrai que c'est le principe du jeu de rôle, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Ah oui, ça, par contre, le déséquilibre... Ça, je suppose que c'est vraiment une très très bonne affaire, quand même. Je pense que je vais rester sur mon... Sur mon application de truc, là. Ah oui, mais attends, il y a le bivouac, là, je voulais me créer des inductions, là. Mon gant qui régénère rapidement l'armure. Potion de magie, potion de soin. Ouais, c'est vrai que tu peux pas tout faire. Hein. Enfin, ou comme tu dis, c'est vrai que tu peux tout faire, mais tu fais tout pas très bien. Ou tu deviens très bon dans un truc, quoi. Ah bah tiens, ça c'est un exemple, ça, tu vois. Préparation alchimique. Il me faut 2 en science, du coup. Je vais mettre ma petite science plus 1. Voilà. Hop. Donc là, du coup, j'ai science à 2. Parfait. Parfait, parfait.
Ah, pourtant, il manque méchamment de la résine de dragon là. Antidote. Potion de résistance, non. Onguent d'armure majeure. Onguent d'armure. Potion de magie. Bon, ça c'est un truc que je pourrais vendre en fait. Je m'en fous, je n'utilise pas la magie. Potion de soin. Ah mais c'est vrai que je pouvais faire potion de réanimation, licence niveau 3, poudre de réanimation. Je vais en faire 3 comme ça on en aura 10. Ah oui tiens, et des munitions. Absence du putain, j'ai mis des munitions. Faut du minerai de fer. Bon. Ça c'est fait. Putain, comment on fait les onguents, bordel? Induction alimentaire. Ah, en fait, c'est les pièges. Hein. J'ai la même quantité au moins, non? Ah, oui, d'accord. Ok, les potions, c'est les pièges. C'est l'induction, c'est le non tourne au piège, c'est pareil. Ok. Ok. Mais j'avais même pas fait attention que depuis le début du jeu, je pouvais te faire tes raccourcis sur les flèches. Pourquoi il y a que les flèches directionnelles, non, t'as aussi les R2 plus carré triangle. Ah oui, d'accord. Pourquoi des fois je joue sur un écran de PC, c'est pas toujours top hein. J'ai pas ouvert mes yeux correctement. Attends. Et il faut que je rechange d'armure parce qu'évidemment je me suis mis une petite armure. Ouais, bon, là on est confort. Allez, ensuite on enchaîne. C'est amélioré avec les inductions. Parce qu'en fin de compte, ce qui fait plus mal que les pièges encore, c'est le fait de pouvoir en foutre sur ta lame là. Oh, je les ai fumés. Résine, ça c'est bon. Ah, et là du coup, il va me falloir vigueur, je sais pas combien, non, au moins. Impossible d'escalader, comme ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh, faut passer là. Et de l'autre côté, hein, c'est juste pour Rando Simulator. Bah, c'est sûr que quand t'es en dehors des combats et des quêtes. Tu te balades pas mal quand même. Hein. Surtout que ça manque de vie. Hein. Oh putain, j'ai pas vu. Et voilà.
Il n'y a plus de monstre. Ouais, le fait d'enduire la lame, c'est quand même 8000 fois plus efficace que les pièges, quoi. Y a pas photo. Y a pas photo. Ouais, on est dans le bon coin. Ah, mais c'est parce que d'accord, tu pouvais parler en fait. Bonjour, on vient en paix. Tout ça, tout ça. On pourrait me dire quelque chose comme ces enfoirés. Presque bonjour déjà. Découvrir un nouveau village. Quoi ça? Hôtel de compétences. Eh ben attends, eh. On va aller chercher déjà le point de compétence. Hein. Et là-haut, c'est quoi ça? Demeure de Dunkel. Ok, ça sent la. Ça sent la quête. Ça. Là, regarde, il est où l'hôtel de compétences? Ah, il est juste avant. Viens voir, petit petit. Petit petit. Crise de la nourriture, la crise au point de compétence. Ah, c'est un peu nécessaire. C'est un peu nécessaire. Ça t'augmente encore les dégâts magiques. Ah, du coup, tu vois, après, tu crées des grenades carrément. Du coup, ça, c'est pas mal. Ah oui, tu vois. Attends, ça coûte 3 points, ça, à débloquer. Ok. Bon, bah... Alors en plus, je me demande s'il faut pas que tu... Ah non, peut-être pas. T'es peut-être pas obligé de débloquer les deux, en fait. C'est un chemin, en fait. T'es pas obligé de te faire tout le... S'il y a pas de flèche non plus qui t'indique. À l'inverse de ça, où je me dis que pour ça, t'es obligé de débloquer les deux côtés. Quoique, bah non, même pas, parce que là, ça paraît... de pouvoir le faire aussi. De toute façon, ce que je voulais faire, c'était la bombe, parce que ça avait l'air trop bien, ça. 3 points, et on se les fera, plaît. On se la fera, cette petite bombinette. Ok, donc là, il y avait quelqu'un à qui nous devions parler. Enfin, qui avait l'air de proposer une quête. Oui, bonjour. Ah bah voilà. Thank you for coming to talk to me. You are on Olmanawi, but you also look like a Lugaid Blau. Lugaid Blau? Is that what you call the congregation? Yes. Those who have yellow eyes on their banner. They're coins. But to answer your question, yes. I'm the legate of the congregation. Is legate the Renaikse word for on Olmanawi? No. It means that I am in charge of diplomatic relationships with the other nations. So I was right. You will be able to help us. Some of your clan are preventing us from accessing one of our sacred glades. Really? Why would they do that? Several seasons ago, some men from your clan came to ask us for wood for their houses. There were some old trees in this glade. So we let them do what they wanted. At first, everything was fine. But then they cut down too many trees. So we wanted to heal the place.
plant some new trees, but they won't let us come close. Their bod irony, their warriors are stopping us from doing so. I could investigate. Yes, c'est toujours notre problème, ça. You must tell them that they have to let us heal the glade. On commence petit, puis après on nique tout. Bon allez, on va aller voir là-haut, parce que ça a débloqué aussi. Parce que ça n'a pas été une session très... Comment dire... Très bénéfique, ça. Ne pas avancer grandement dans la quête. Ah bah tiens, tu vois, c'est là où il faut vigueur, je pense, non? Marcher en équilibre, vigueur 1. Je sais même pas comment tu fais pour aller de l'autre côté. Quoi. Un dondon. Qui a-t-il ici? Sergan. Qu'est-ce que ça nous dit de beau tout ça là-dedans là? Wow. C'est, tu t'en rends pas compte, tout d'un coup tu te mets à explorer des trucs. Eh bah eh, pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Là tu perds en armure et tu gagnes en résistance et en équilibre. Je sais pas si... Par contre, t'as gagné en armure. Écoute, je dirais que c'est pas plus mal parce que. Pas qu'elle est pas terrible, mais c'est qu'elle est pas terrible quand même. Ok, ça c'est fait. Alors ensuite. Putain, y'a trop d'herbe dans ce. Ah oui, c'est vrai, putain. On va passer par là. Et on va aller voir où ça nous mène tout ça. Nous mène-le. Sérieusement? D'accord. Qu'on y retournera au... Heureux. J'étais parti chercher du popcorn. Ah, salé ou sucré le popcorn, ça c'est important ça. Il est par là aussi, il faut y aller voir. Qu'y a-t-il par là? Bah y'a rien. Bon.
C'est un peu dommage ça de mettre rien sur les cartes comme ça là. Nature, ah oui. C'est bien aussi ça. Bon bah c'était pas non plus... C'est pas fifou tout ça. C'est pas fifou. On a tout, tout exploré. Mais... Et tu vends quoi toi? Alors que vends-tu? Oui, que vends-tu? Puissance 3, force 3. Ah, il y a des bonnes armes. Force 3, force 3. Et ouais, moi, ce serait plutôt agilité, du coup. Ah, c'est pas mal, ça. Dégâts d'attaque élémentaire 97. Ah, oui. Ouais, j'ai la classe avec ça. Inutile de dire que tu dois pas passer inaperçu en ville. Tu dois pas passer inaperçu. Il faut de la volonté, hein. C'est un truc de fou. Ok. Préparation. Le dégât élémentaire. C'est ça qu'il me faut. Lotion mortuaire. Tiens, bah, y a une quête à faire ici, hein, du coup. Résine de son dragon. Il nous en manquait. Minerai de fer pur. C'est pas, il me manquait ça. Allez, on vend tout. Hop, ça c'est vendu. C'était bien d'avoir fumé les autres quand même. Ouais. Il y avait là aussi une maison qu'on n'a pas vue, mais je doute un peu de l'intérêt du truc. Demeure de Dunkes. Bon, à mon avis, on sera amené à revenir. C'est après. Pour aller lui piller un peu des trucs. Voilà. Ici nous dit Tuman. I am Dunkas, the Mal and the Donay God of the Yigido. You're very strange for Renaise. Who are you? My name is Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. You are a Lugeir Blau? Oh, I didn't know there were on Almanawi amongst them. They may not be so different from us, after all. What brings you here on Almanawi? Interrogé sur son clan. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que t'as à nous dire? We are the Beraig Nodas, the bearers of lifeblood. We earned this name by bringing the trees and the earth back to life. By restoring balance. There are a lot of on Almanawi here. It is true. We were already healing the earth before the bond existed. The bond just made us better. Many of us have chosen to follow this path because we are proud of our role amongst our brothers.
Our village is home to the largest amount of Donegada, along with maybe Vishkadir. Is there anything else? Oh, ça va aller, merci. On va y aller. On a une quête sur le feu. Voilà, tout pareil. Quoi, la Doomseg aussi. Jusqu'où on peut... Il n'y a pas un camp plus près, là? On va aller là-bas, je pense. Ouais, on n'a pas plus près. Écoute, si déjà on peut voyager jusque là-bas... Bah, attends, c'est quelle est la pierre pour voyager, là? Ouais, putain, il y a la symbole juste au-dessus, bordel. Il faut connaître le nom du truc aussi. C'est vrai que ça serait mieux. Campement près de Wigiso. C'est vraiment histoire de faire le truc. Ah oui, on sait. Au moins c'est instantané. C'est pas trop chiant. Et puis maintenant, on va aller aider notre pote. Putain, ça fait une tirée quand même. Parce qu'à l'autre bout de la map... C'est là que t'es content de pas avoir une jauge d'endurance. Parce que sinon ça serait putain de long quoi. Mais j'aurais pas dit non à une petite... petite monture. Ah, quoi que ça se trouve dans, l'exploitation forestière, il y a peut-être une charrette là. Eh, je suis pas allé ici, moi. Ah, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Desarde, I intend to prove to the admiral that I fully identify as a Nart once more. Without regrets, I will have to go through a test of loyalty. It will certainly be dangerous, but with your help, I am convinced that I will succeed. But I see you are not available at the moment. Come back to see me once you are free. Did you want anything else? I must leave you. Non, c'est... On va t'aider. Ah, effectivement, on a un truc sur le feu, mais on t'aidera. Promis. C'est encore une carte celle-ci ou... Ah oui, ça c'est encore une nouvelle map. Ah mine de rien. Petit à petit, tu... Il y a quand même pas mal de maps dans ce jeu. Enfin, pas mal de régions à explorer. Ah non mais là par contre, il y a des têtes de mort, alors je suis pas... Là je sais pas là. Ah oui, quand même. Ouais. Effectivement. Ah merde, j'ai plus d'adrénaline. Ça, c'est con, ça. Merde. Ouais, par contre... Quand ils frappent, ils font bien mal, hein. Ah bon, on en a eu un quand même. Ah attends, petite pause tactique. Potion de raise, mon pote. Potion de raise. La longueur d'armure serait pas dégueulasse non plus. Potion de poudre de réanimation. Ah mais la poudre de réanimation c'est pour tes partenaires en fait, d'accord. Même si tu dois aller heal, c'est poudre de réanimation.
D'accord. D'accord, ok. Bah, maintenant que je sais ça, ça va être un peu mieux, même. C'est bien de le comprendre au niveau 17. J'aurais pu faire pire. J'aurais pu ne pas le comprendre du tout. Alors, ah bah tiens, c'est là qu'il faut aller. Vaincre les bêtes. Ah bah attends, du coup, attends. On va vous aider, on va vous aider. Ouais, on va utiliser celle-ci aussi. C'est où je l'ai raté? Ouais, je l'ai pas raté par contre. Putain, mais reviens! Ah voilà. Remerciez pas surtout les gars, c'est bon. Without our presence here. Yes. Blessed be the earth that has brought you to us at this time. Oi. You one. I was touched. I am hurt. Oh no. Morian. These creatures are venomous. If their venom has come into contact with her blood, this young woman does not have long. And we are too far from the village to seek help. How are we going to save her? I know a potion that will erase the effects of the venom. I have a vial of it in my bag. Hold on. Thank you. Truly the best winds have brought you to us. Here, drink this. Don't worry. It'll heal you. C'est fait avec des plantes. C'est du gin. What do you feel? I feel the pain leaving me. She is saved. You have great wisdom. T'en rends pas compte. Fruits on your journey. You have saved Morian. It was nothing. I'm glad I could help you. You are different from other Renaixi. You know the potions. But what were you looking for here? We came to study this place, the carvings in particular. This is one of our places of ritual, a place of connection. What do you hope to learn from our carvings? I seek to understand. Traduire carvings par peinture, non? I think these carvings could help with this. You seek the secrets of the Donegada. You should speak with Armal. Yes, his name is Dunkas. He is also our Donegad, and his wisdom is boundless. Here is someone who should be able to answer all your questions, Aphra. Let us go then. We will have time to discuss on the way. I have so many questions about this place, about the rituals that take place here. C'est pas fou. Et du coup, ça donne un look encore plus authentique. Parce que moi, je connais pas beaucoup de personnes qui ont du jonc de mer à la place des cheveux. Qui lui donne un petit cachet. We're here to mad, Dunkas. These Renaixes have saved my life. What happened? We were meditating at the sacred circle in Kerganau, and we were attacked. Morian was poisoned, and they gave her a potion. Really? We are not yet used to the Renaixes doing something without expecting something in return. You should go and meditate now. I have to talk to them. They are different from the others. I'm sure of it. I hear your gratitude, Morian. It honors you. Now go. Je suis revenu au village que je viens de découvrir, quoi. Here you are again, Renaixe. Il est petit streamer. Thank you for saving Morian. It was a kind gesture. Please. Noche. We couldn't let her die without doing anything. This feeling brings you honor. But what were you doing near our sacred circle in Kerganau? It was me who led my friend there. I was hoping to study the circle to better understand your culture.
Loyans always want the same thing. They covet our secrets to better steal our land, to better hurt our children. Calm now. Perhaps this Loyaness is different from the others. Maybe we were wrong about them too. Ça marche. À plus, Blazkowicz. À bientôt. Merci d'être passé. Bonjour à ta sœur. Ouais. I cannot reveal such secrets without seeking advice from the Order Donegada. But in order to thank you for saving one of our daughters, stay with us tonight. Eat and celebrate life. Maybe by sharing this joyous moment, you will learn something. We accept your invitation. Isn't that right, Desarde? Of course. Thank you for welcoming us, Dunkus. C'est bien, on a le choix. Retournez voir Morgane et Ewen. I'm sorry. You look disappointed. I did not expect your Denegad to reveal all its secrets to us, but I would have loved to learn more. Perhaps you should be patient. It takes years to understand the mysteries of the Donegada, and since you are staying with us tonight, it will be an opportunity to continue learning. That's what I hope. Thank you for welcoming us tonight. Ah, mais du coup, c'est la grosse feste. C'est la grosse feste. Yes. It was very enlightening. We are glad that you stayed with us. We too have learned from you. Your face brims with thoughts, Afra. Is something wrong? It's nothing. Probably just tiredness. We should all rest. It has been a long day. May your dreams be wonderful. Good night. May the moon watch over your dreams. Je sens qu'on va faire de la merde. Dunkus wasn't here tonight, yet he's the one who invited us to stay. I also saw one of the elders sneaking out of the village. You think they're hiding something from us? I don't know. But since they don't want to share their knowledge with us, let's try to follow them. Eh voilà, j'en étais sûr. We shouldn't get angry with Dunkus. If we remain unseen, everything will be fine. Let's go before we lose their trail. Évidemment. Here they are. Let's try not to be detected. On va enlever la lupiote, déjà on sera un peu plus discret. Où est-ce qu'ils sont barrés? Ils sont là-bas. I don't know. Are they guarding this place? If they're trained to guard it, this must be a very important place. Non, non plus, on peut nous attaquer, du coup, ça veut dire. Oh, c'est raté. Bien quoi ça sert comme le coup de pied quoi. Donc là c'est parce que j'ai pas assez développé le niveau de la branche de compétences parce que franchement en même temps foutre un coup de pied sur une bestiole comme ça c'est un peu de la merde aussi. Bah tiens on se retrouve là où... Let's be as discreet as possible. C'est le truc que j'ai exploré tout à l'heure quoi. Oh mais lol. They are below.
Get down or we'll be seen. Qu'est-ce qui se passe? Forgive us. We did not intend to interrupt you. Merde. Allez, oh putain, c'est relou ça. Why are you here? We're sorry. We didn't mean to interrupt your conversation. We need answers, so we followed your elders. Eh bien. Well, since you absolutely want to learn, do as the apprentices do. Take a seat and be quiet. We are here to meditate, to hear the voice of the earth, because the wind has changed. Close doors, our witness deary. You were right. Yoan is ready. Morian's trial has made her more sensitive. She is his Minundanem, and he is hers. One cannot progress without the other. She will have to bring him to the Cave of Knowledge. This will be his last trial before creating the bond. May their path be gentle and shielded. As for me, I hear the call ever louder, Dunkas. And the day the call is loud enough, you will respond just like each of us. But it's not yet time for you to join in on Nilfrithene. So, Aphra, are you satisfied with what you saw? It was informative, although it's not what I expected. Thank you, Dunkas. This meeting was strange. It almost seemed like they really heard voices in the wind. Maybe it's true. Some believe so strongly that they end up hearing or seeing what they hope for. Have you learned what you wanted to? What they said about these young people we helped out, about the fact they were ready to bind themselves. We have a unique opportunity of seeing a transformation with our very own eyes. But we can't follow them wherever they go. Pourquoi ça serait toujours au sens propre, là. I must think on it. Come back and talk to me later. Bien, ben voilà. Ça va donner quoi en termes de quête là? Les enfants de Tyr Freddy. Ok, faut qu'on avance sur le truc. Okay. Bon bah ça va peut-être faire sauvegarde et puis raid. Et du coup ça va faire pause. Sache où est-ce qu'on nous allons. Du coup, on est au point de notre voyage rapide. Voilà. Donc
qu'on cherche quand même ce qu'elle qu'est en fait. Un remède à la Medicor, ah oui. Interroger l'évêque Dominicius à San Mateus. Continuons nos secrets de famille, du coup. En plus, il faut qu'on aille à San Mateus, il y a deux trucs à faire là. Ah, puis j'ai aussi la quête de l'autre à faire maintenant, de Vasco aussi. Moi, la suite de sa quête. Tellement de quêtes. Il y en a partout. Allez! Tu peux pas sauvegarder ici? Proposer son aide à Afra maintenant. Ah oui. Et on enchaîne, on a des nouvelles quêtes du coup que ça a débloqué. Ah effectivement. Ok. De toute façon, comme on voit la demeure. Il y a un paquet de quêtes annexes. Hein. Allez, c'est la sauvegarde. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on se fait comme petit raid? Qu'est-ce qu'on se fait comme petit raid? Il y avait. Salut. C'est moche. Vas-y, Outer Worlds. Maintenant, un Xbox Game Pass de 7 jours offert. Ouais, sur ça, tiens, faut aller voir ce que ça vaut. Outer Worlds. Je vais arrêter, ouais. Je reviens ce soir, du coup, on. Très très beau. Alors, on va découvrir Outer Worlds. Bon bah à plus hein les amis, à plus. Du coup on peut pas aller vers cette tour, ok. C'est juste pour être sûr.